Mayday, mayday. Juste ici, équipage. On y va. Butez-les jusqu'au dernier. Écoute, on est tous sous le choc, mec. J'ai pas besoin d'une mayday, putain de mayday. Répondez. C'est la même chose. Ne parle pas à sa place. Yann ne doit pas sergent être mort chef pour Sergent chef chez vous. Ce oui, chef. Le nouveau soleil a désactivé le réseau de Pétrusite. Les défenses de la ville sont à plat. Mais on ne sait pas pour combien de temps. Sécurisez la zone du crash et attendez les ordres. Okay, bien sûr. À vous. Allez, par ici. Allons voir de plus près. Ton nom, bordel! Soldat Richards. Mon équipe est à un avant-poste à proximité. Je faisais un tour en évitant les patrouilles de X. Hé! C'est quoi cette merde? Je sais pas. J'allais l'ouvrir quand la cavalerie a débarqué. Quoi? Ok, très bien. Ramène ce truc à l'avant-poste et je vous laisse régler vos affaires. Sûrement pas. Seb, tu amènes l'exosquelette là-haut. Pendant qu'on te rejoint à pied. Pas de problème. Et ouvre un peu les yeux! Tu vois des officiers dans le coin, toi? Ils ont tout fait foirer, mais c'est quand même sur nous que ça retombe! Quelle grande gueule! Y a un problème? On sait très bien que t'aimes te la péter! C'est foutu! Et ton pote Templar, il a disparu! Il nous a laissés dans la merde! Rico! Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Ce type mériterait une bonne leçon. On se casse! Norville, on a récupéré un buggy et un exosquelette. On approche du point d'impact. Attention, 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 les unités, focalisez-vous sur... Engagez!
Canyon. Fais bien attention. Par là. J'y suis. On devrait rester à plat pendant un moment. C'est bon à savoir. Le renseignement a trouvé une ancienne raffinerie sous le point d'impact. Les Hellgast se rassemblent pour essayer de reprendre le contrôle de la zone. Allez mes hommes, ils seront bientôt dans la zone. Et rendez-vous tous au point de rassemblement Hellgast. Écrasez-les. Blindés ennemis, décomme-les, Sam. Virez-moi ces chars qu'on puisse passer! Thank you.
Trop tard de t'en voir parmi nous. Maintenant, on n'a plus qu'à rejoindre notre section. Et on pourra s'attaquer au palais. Je sais que vous pensez à vos amis qui sont tombés sur le nouveau soleil. Mais on doit absolument finir le boulot. Ça y est. Le Vissari a fait sauter sa propre ville. J'imagine qu'on est les derniers. Qui est responsable ici? Et ça se prend pour les Marines? Allez debout, bordel de merde! Vous tous, on a encore affaire ici! Ce sera sans moi. Je vais chercher Vissari. Je vais pas attendre qu'il nous envoie ses foutus soldats pour nous achever. Putain de merde. On est complètement foutus, non? Qu'est-ce que t'en dis, Seb? Ce qui reste de notre unité de reconnaissance vient tout juste de nous avertir que deux régiments Hellgast sont en train de se diriger droit vers nous. La garde personnelle de Radek prend position. La destruction de leur ville a dû les rendre furieux. Ils veulent tous nous massacrer, jusqu'au dernier. Ouais, Natko a raison. On est complètement foutus. Mais c'est loin d'être la première fois. Équipe Alpha, ici le commandement. L'objectif, c'est de neutraliser le générateur du palais. Allez, Alpha, il faut qu'on explose toutes ces antennes. Prenons position dans ce champ au sud. Allez. Chef, on peut rien faire contre ce char. Il faut contre autre chose.
I move! Protégez la tour à tout prix! Arrêtez-les! Arrêtez-les! Ils ne doivent pas... Oh, ils ne doivent pas réussir à passer! Merde! Attention, blindé! Ne les laissez pas passer! Tuez-les tous! Occupe-toi de ce blindé, il nous empêche de progresser. Enfoiré, descends dans les... Allons-toi, échappé. Sur cette console! C'est bon! Trois à descendre! Drôle de coïncidence! À nous aussi, il nous en reste trois! Putain, ferme-la, maintenant! Je t'écraserai comme un misérable.
Sev, et c'est quoi ton problème, putain? Tu dirais que le complexe est à moitié détruit ou à moitié intact? Personne peut m'aider! Vas-y, compte sur moi pour te couvrir! Ça, au moins, ça fait plaisir à entendre! Plus vous
ce générateur immédiatement. J'aurais besoin d'un... On doit y aller avant qu'il fasse péter le générateur. Attention, ils sont sur le point de bombarder le générateur. Tous à couvert. Ça sera bon quand on aura eu la peau de Visari. Merde! Il y a des attaques dans tous les sens! L'entrée du palais, juste là! On doit continuer à avancer! J'en prends plein la tronche! Effort! Un peu!
Tu vas pleurer. Je m'en On pourra plus tenir très longtemps. Allez, on va y arriver. Le quartier général répond pas. On est complètement foutus. Faut les pousser vers la ville. On y va! Partez devant! Je vais rester ici pour les comptes! Les renforts ennemis seront bientôt sur nous. On va se battre au corps à corps. On fait ce qu'on peut ici. Alors magne-toi. On va pas tenir éternellement. Très bien. Ils sont tous partis. À partir de maintenant, on va devoir se faire confiance, Sev. Est-ce que la deuxième section... Bon, je vais m'occuper de moi-même. Vous en voulez encore, hein? C'est ça. Dégommelez. Putain, toi, derrière la statue! Éliminez-les! Allez les achever! Pas de pitié!
Bordel, si seulement j'en avais deux! Ne bouge pas! La victoire ou la mort! Ne laissez pas se planquer! Flinguez-les! Le feu ennemi, attention! Vous allez tous mourir, les hommes mourront pour leur empereur. À notre destinée.
notre mort. Il n'y a qu'une étape. Les portes du balcon sont ouvertes. Passe par là. Arrêtez-les. Descendez-les. Pour les faire sortir.
Allez, on y retourne. Je masque ma position. Les voilà. On dirait que c'est une affaire personnelle. Eh bien, tant mieux. Imagine que c'est pour ton bien. L'idéal Helgas est éternel. Imagine que c'est pour ton bien. Rien ne vaut un combat au corps à corps, n'est-ce pas? Après la traque, l'essence même du combat. Une opération nécessaire. Ah ! Je sers un idéal qui me dépasse tous. Bordel ! Je prouve ma loyauté avec ton sang. Je suis touché ! Amateur ! Merci, Zeb. Zeb, mets-toi à couvert ! Tu n'es rien qu'un obstacle misérable à notre destinée. Bloquez-vous ! Va rester caché. Cet enfoiré pour Yann, c'était pas mal pour un début.
Finissons-en une bonne fois pour toutes. Et sans suicider, cool. C'est toujours ça de gagner. Où est Vissari? Je veux lui... Vissari. Scholar Vissari! Scholar Vissari, vous êtes en état d'arrestation en vertu de l'article 27. Et qui donc es-tu, soldat? Sergent Sevchenko, première classe. Ils ont osé envoyer un sous-fifre pour arrêter Vissari? Est-ce que tes commandants sont vraiment si effrayés, si apeurés que ça? C'est terminé, Vissari! Vous avez perdu! Vraiment, sergent? Et qui a gagné? Les lâches qui t'ont envoyé à l'abattoir? Toi et tes camarades? Les Helghast n'ont rien perdu. Nous n'avons peur de rien. On porte nos blessures avec honneur et fierté. Helghan est à nous. Plutôt mourir que de voir notre terre tomber aux mains de pillards. C'est pourquoi tes chefs n'oseront jamais faire de moi un pauvre martyr. Votre flotte n'est plus. Vos amis sont morts. Et tu crois agir en héros en me laissant la vie sauve? C'est ça que tu appelles une victoire, sergent Sevchenko? Enfoiré! Vous avez tué ces hommes. Et vous allez pourrir en tôle pour ça! Vous allez payer pour vos crimes! Pour avoir donné de l'espoir et un but à mon peuple, on a bâti cette nation à partir de rien! Prenez-moi, et je vous assure qu'Helghan sombrera dans le chaos! Les machines de guerre de l'ISA ne valent rien du tout face à la détermination de mon peuple! Nous vous tuerons tous les uns après les autres, plutôt que de nous rendre! Tes maîtres me supplieront de restaurer l'ordre! Vous n'avez pas gagné! Et ça n'arrivera jamais! Non! Quelle folie! Que la folie commence. Sergent? Sergent, qu'est-ce qui s'est passé? Merde! Sève! Bordel! Votre commandant. Allez, soldats, en avant, en avant.